Et bonjour à toutes et à tous, c'est Aza, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Kick Off Revival sur PlayStation 4. Aujourd'hui on attaque les quarts de finale, vous pouvez voir que l'Ukraine a battu la Croatie. Attention l'Espagne-Portugal, l'Espagne gagne le Portugal 3-2. Donc du coup l'Espagne rejoint l'Ukraine en demi-finale, la Russie versus la Turquie. Attention, la Russie va en demi-finale 1-0 face à la Turquie. Et nous, la France, on affronte la Hongrie. C'est parti les amis pour le match, j'espère qu'on va pas s'arrêter là et on va aller jusqu'au bout. Voilà, voilà. Allez, c'est parti, les joueurs entrent sur le stade, entrent sur le terrain. Il va falloir mettre notre jeu en place et cartonner ces Hongrois. Allez, c'est parti. Let's go. On récupère le ballon, on y va, on y va. Hop. Bon, ça va pour l'instant. On a, c'est vrai qu'on a cartonné au match des huitièmes de finale. Je crois qu'on a gagné 5-0, je crois qu'on a gagné de tête. Je sais plus, je crois que c'est ça. Attention quand même. Ne pas se faire surprendre. C'est bon, on y va. Aïe, aïe, aïe. Ouais, faut vraiment se remettre dans le bain, attention. Attention, toi tu passes pas, c'est parfait. On y va, on y va. Oh punaise, je voulais reculer pour me remettre dans le sens du but. Allez, on centre, il doit avoir un joueur, oui, c'est bon. But, non, but, oui, il a mis dans son camp. CSC des Hongrois, merci, il fallait pas tacler, mais merci à toi. 1-0 pour nous, ça commence très très bien les amis. Allez, on y va. Oh là là, il m'a chopé là. Voilà, c'est bon, on continue. Oh là là, dommage. On va se concentrer. Oh là là, quel tac. Allez, on repart, c'est bon. Oh, attention. C'est bon. Quelle défense. Héroïque, quelle tête. Agno. Quel centre. Oh, quel dommage. Pourquoi j'ai pas pu la reprendre là. C'est bon, c'est bon. On va s'en sortir, on va aller en demi-finale, je vous le dis moi. L'objectif c'est de gagner, hein. Donc. But! Ah non! On va faire au mieux. Oh là, j'aurais pas dû tacler. Ah, j'étais emporté par mon élan, mon enthousiasme. Hop! Allez, c'est bon, on y va. Ah non! Je me suis trompé de bouton! Du moins, je me suis trompé de direction. Allez, tête. Oh là là, quel dommage. Bon, ils sont pas super forts non plus. Ça devrait passer. Allez, il faut en marquer d'autres. Attention. Parce qu'un compte, ça peut aller vite. Oh là 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 là. Attention de ne pas se prendre un péno ou autre chose. Je le dis à chaque vidéo, mais il faut pas tacler. Il faut rester assez propre dans le jeu. C'est bon, on y va. Allez, on y va. Oh, quelle accélération. C'est bon, on y va. Oh, mais quel tacle. Allez, on reste concentré. On reste concentré. Hop. Oh là là là. Catastrophe. Oh là là. Merci. Je récupère le ballon. Oh, ya. Oh, je pensais l'avoir récupéré la tête. Non, attention. Voilà, c'est bien. Ouf. Mais joué Hugo. Voilà, il joue la babale avec moi là. Et si. On y va. Ah, la poteau sortant. Non, ou du moins filet. J'aurais peut-être pu tenter une petite passe pour mon joueur qui était devant le gardien. Mais bon, le jeu c'est pas super précis donc du coup, il faut le faire rapidement. Allez, but 2-0. C'est beau ça. J'ai troué le gardien. On est en route vers les demi-finales. On est chez nous, c'est l'Euro en France. Oh là là, je crois qu'il y était. Ouf, j'ai eu peur. Si on avait été un troisième à la mi-temps, ce serait cool. Voilà, allez.
Tête. Pas une belle tête, mais bon. Allez, c'est bon, on y va. Mon joueur se relève. Oui, c'est bon. Allez, allez. Ouf. Dommage, dommage, dommage. Le centre n'a pas abouti. Parfait. On y va. Allez, fonce, mon petit. But. Oh, qu'il est beau. Extérieur du pied droit. Bien brossé. C'est nickel. 3 à 0 pour la France. Nous sommes bien en route pour les demi-finales. Je rappelle, lors de ma première fois en off avant de tourner 7 Euro 2016 sur kick-off, je l'avais fait vite fait pour voir un peu ce que ça donnait. J'avais perdu en demi-finale contre l'Allemagne. Mais là, les Allemands ne sont plus là. J'avais perdu 4-0. Là, j'espère vraiment passer le cap des demi-finales. À part l'Espagne, je vois pas quelle équipe pourrait m'embêter pour l'instant. Après, ça veut rien dire. Ah non, péno. Ah, j'ai pas su retenir le bouton. Et ben voilà. Allez, mon gardien. Ah là 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 là. C'est pas grave. On est 3-1. Ils vont peut-être se remettre dans le match. On sait jamais. Allez, 3-1 à la mi-temps. Ça, c'est bien. On domine quand même notre sujet. On n'est pas exempt de défauts, mais ça va, quoi. Ça nous permet quand même de mener au score. Donc, ça va, ça va. Allez, c'est à eux d'engager. C'est parti. Oh, c'est bon. J'ai récupéré le ballon. Allez, hey, allez. Oh là là. Oh. Je lui ai cassé les deux jambes. Je suis désolé, mon gars. Désolé. Je voulais pas te tacler aussi violemment. Oh, punaise. Attention. C'est pas le moment d'en prendre. Ça va les relancer, sinon. Attention. Ouf. Oh, la chance. Il n'y a pas eu péno, mais oh, j'ai touché le ballon. Là, j'ai eu de la chance. On peut dire ce qu'on veut, mais j'ai eu de la chance. Waouh. J'ai eu une grosse alerte, là. Oh, punaise. Allez, tire. But. Le gardien s'est trouvé. J'ai pas compris, là. J'ai pas compris ce qui s'était passé. J'ai l'impression que le ballon, il a rebondi à côté du gardien. Il n'a pas été très fut-fut, donc c'est bon. De toute façon, ils sont pas très fut non plus dans le jeu, donc... Mais bon, c'est du kick-off. C'est comme ça, ça a toujours été comme ça. On retrouve quand même le plaisir de jeu à l'ancienne. Certes, ça vieillit, mais... Pour être objectif, je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais c'est vrai que le jeu est très très moyen. Il n'y a pas beaucoup de contenu, il n'y a rien du tout. Mais le plaisir de jeu est là, niveau gameplay, c'est ce que j'ai connu à l'époque, et encore, je pense que peut-être même le kick-off de mon époque était quand même un peu plus complet. Je sais pas, j'ai pas assez de souvenirs. Voilà, c'est quand même ce que j'ai connu, je pense, au niveau gameplay. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins de choses, il y a moins de possibilités. Après, c'est mes souvenirs. Ah non, quel con, sérieux, mais tire droit, pourquoi je tire à côté, quoi. Allez, 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 allez. Oh là là, quel centre brossé. Mais ça ne servit à rien. Ouais, c'est un jeu très moyen. Faut être objectif. Mais le plaisir de jeu est là, en tout cas pour moi. Je dis bien pour moi, ce sera pas pour tout le monde. Il y en a qui seront déçus. C'est, ben oui, mais bon, c'est kick-off. Faut pas s'attendre à autre chose, hein. Voilà. Faut pas s'attendre à un PES ou un FIFA, hein. Ça n'a rien à voir. C'est un petit jeu. Tranquille, ça... C'est un peu comme Sensible Soccer, voilà. Il faut pas s'attendre à autre chose. Souvenez-vous de Sensible Soccer à l'époque. Qu'est-ce que c'était bon aussi. J'avais aussi beaucoup joué à Eric Cantona. Le jeu était excellent, Eric Cantona, sur Super NES. Ouf. Mais c'est Kickoff quand même qui a démocratisé tout ceci. Il y a des petits jeux comme ça. Il y a eu Goal aussi. Je jouais toujours sur NES Goal. C'est le jeu qui m'a fait le plus kiffer sur NES, un jeu de foot, avec ce kick-off. Goal est excellent. Il y a eu Super Goal aussi sur Super NES, mais il était pas génial. Il y avait Super Soccer qui était passé par là, entre autres. Et il fallait passer quand même après Super Soccer, donc c'était un peu difficile.
Mais Gol, premier du nom, je vous le conseille. Je vous en ferai peut-être des vidéos. Parce que ce jeu, il m'a marqué, mais lui, par contre, il a vieilli. Allez. Voilà, c'est bon. Parfait. On se monopolise un petit peu. Bon, je m'en fous, je mène 4-1, donc... Sans souci pour moi, on va se qualifier. À part Hécatombe. C'est bon, on y va, on y va. Oh là! C'est tacle sur tacle! On détruit le gazon là! Ça ressemble un peu aux pelouses, qu'on a sur de l'Euro 2016 là. Parce qu'on a des pelouses dégueulasses, à part certains stades. Oh, la pelouse de Marseille, la pelouse de Lille, elles sont dégueulasses. Stade de France aussi. C'est honteux pour un événement pareil. C'est honteux quoi. À part Nice et Lyon, le reste sont pas super super. Même Nice, apparemment, c'était pas génial par moment, mais. Allez savoir pourquoi on a des pelouses comme ceci. C'est indigne d'un événement aussi important qu'un euro. Franchement, c'est champ patate par moment, c'est dégueulasse. Et c'est pas télévisuel quoi. Imaginez l'Europe regarde ses matchs, ils disent putain, c'est quoi ces pelouses quoi. On est où là? Ah, on est en France, ah merde. Ah, ils ont pas mis les moyens pour la pelouse quoi. Allez, corner pour nous. Hop. C'est pas ce que je voulais faire, vous avez bien compris, je pense. Mais je vous l'avais dit. Tout ce qui est coup de pied arrêté, c'est dégueulasse. Dans le jeu. Allez. C'est la fin du match. Oh, on va pas prendre de but maintenant. Ne prenons pas de but maintenant en tête. Parfait. 4-1 les amis, nous sommes en demi-finale. J'espère que la France en fera de même ce week-end. Là, on est vendredi 1er juillet. Ce week-end, la France affronte en quart de finale l'Islande. J'espère qu'ils vont en faire de même pour se qualifier en demi-finale. En tout cas, nous, on a gagné 4-1. C'est super. Voilà les amis, je vous dis à très très vite pour l'épisode 7, il me semble, ou 6, je sais plus, pour la demi-finale de 7 Euro 2016 sur Kickoff Revival. Allez, ciao tout le monde.